Retrouve-moi en live presque tous les jours sur twitch.tv/Harry_live. Hello YouTube et bienvenue pour ce troisième épisode du Viewer Lock, enfin la troisième VOD pour être précis. On est à Roche-sur-Glif et non pas à Rolifacléo, j'ai dit un mauvais nom de ville la dernière fois, mais bon en même temps c'est un peu, c'est tout proche, enfin bref, c'est normal de faire la confusion. On est dans l'arène et on a une équipe qui a un petit peu changé, bah, enfin pas de ouf non plus, hein, mais on a Hippolyte, le hippopotas qui intègre l'équipe, et Inspecteur Magré, le cartichaud, a réintégré l'équipe, il a été puni la semaine dernière. Azuril a évolué en Maril, mais malheureusement de niveau trop tard, parce que si on évoluait Azuril au niveau 20, enfin au niveau 20, on apprenait Hydroqueue, et si on évoluait au niveau 21... enfin bref, on aurait pu, enfin, en évoluant en Maril niveau 20 ou en Azumaril au niveau 21, on apprenait Hydroqueue. Mais du coup, j'ai pas d'attaque au physique pour Maril pour l'instant. Donc c'est vraiment le drame. Donc c'est encore un plan sur le long terme, ce Maril. Mais j'y crois, ça peut être extrêmement fort pour plus tard. Donc on garde Maril. Par contre, je n'ai pas gardé le Stylix que le chat m'a demandé d'échanger. Enfin, j'ai fait voter, hein. Et là, clairement, il faut qu'on en parle, il faut commencer à mettre un peu de difficulté, là, parce que vous pouvez pas me faciliter la tâche à ce point. Stylix, pour cette arène, c'est trop facile. Du coup, je l'ai mis au PC. Vous m'avez dit d'échanger, enfin, d'échanger le Love Disc contre le Stylix, parce qu'il y a un échange in-game à Roche-sur-Glif, Love Disc contre Stylix. Et même si vous m'avez laissé faire l'échange... Je préfère laisser Stylix au PC parce que sinon je fais Girobal, et contre Lino, c'est terminé. Donc, ce serait vraiment trop dommage. On fait un petit combat avant ça, histoire de monter Hippolyte niveau 21. Je pense que ça devrait le faire, on va faire Piétisol. Ok, Bullrock, c'est parfait parce que s'il faisait Exuviation, ça pouvait éventuellement m'inquiéter. Petit coup critique, on s'en fout. Alors, mon Hippolyte, il a le casque brut qu'on a récupéré à Rolifacléo. Du coup, si un adversaire nous fait une attaque de contact, il va se prendre quelques dégâts. Donc c'est quand même bien bien pratique dans les duels contre des Pokémon physiques. Enfin, je dis physique, même si contact et physique, ce sont deux notions différentes, mais il y a peu d'attaques spéciales qui font du contact. Il y a Neuherbe. C'est l'exemple, le premier exemple qu'on trouve, mais il n'y a pas que ça. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Là, comme ça, en réfléchissant, j'arrive pas à me souvenir, hein, une autre. Alors je spam Piétisol plutôt que de faire tunnel, puisque j'ai plus de PP. Et je vais me servir de Hippolyte contre le Amagara de Lino. Et il n'y aura que ce combat là, hein, avant Lino, parce que j'ai dégagé le passage. Go finir avec morsure, ça va faire le KO, j'ai pas de doute. Ok. Si je me trompais, je vais passer pour un kéké. Nickel. Oh, on gagne pas grand chose. Ah, j'espère qu'on va gagner plus d'XP que pour Krabicant. Oui, avec Reliquant, oui. Par contre, c'est dangereux, Reliquant, hein. C'est dangereux, ce truc. On va envoyer Grégoire, du coup. Je peux pas me permettre de pas envoyer Grégoire. Alors, hein, là, je suis obligé d'assurer. Si j'avais su qu'il avait un Reliquant, ce dresseur, j'aurais pas... je l'aurais pas affronté, lui, hein. Mais la tempête de sable, elle va se terminer. Oh, bâillement. Bon, j'ai un réveil dans le sac, donc c'est OK. Pour ce genre de situation... Il n'y a plus de tempête de sable, donc il n'y a plus de boost de défense spéciale pour Reliquant. Et Gomibra, quoi, du coup. Ah, niveau 23, ouais, il est énervé, hein. Ok, il refait bâillement, ça m'arrange. Vampire baiser, fait contact, une attaque spéciale, effectivement. Soin de statut, réveil, utilisé. Alors, s'il refait bâillement, clairement, je ne réponds plus de moi. Hein. Tondroche, ok. Ça fait mal ou pas? Ah! Embrouille! Ah là, y a problème là. Hein. Mais Azeli va se faire du HKO, hein, non? 62-27. 70-30. Azeli tient mieux que Grégoire. Est-ce qu'on va pas encore se faire sauver par Azeli? Semble rien. On va faire charme. Bâillement, ok, ça m'arrange.
j'ai chaud. Je pense que ce combat va être est plus dur que le combat contre Lino. Hein. Après, c'est au niveau 25, hein, petit Arnidur et Amagara. Hein. C'est pas ridicule. Hein. En fait, j'ai peur qu'il ait une attaque haut, reliquante. Du coup, j'ai pas envie d'envoyer Hippolyte. Ouais, voilà, il a pistolet haut. Alors, sur un crit de tombe roche, je me fais laver. Hein. C'est certain. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire? J'ai fait charme combien de fois? Une ou deux fois? Une seule fois? Ah. Du coup, il fait deux fois moins de dégâts. Ma sérénité est faible. Ok, pistolet haut, ça me va. Pas grand chose. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est parfait. On fait vibre à quoi? Et maintenant, on se pas vibre à quoi? Est-ce qu'on tue un de vibre à quoi? Je pense que oui. Ouais. Ok. Là, sur coup critique, on prend le KO. Mais on est quand même plus rapide, même à moins 1 en vitesse. Croix porale, ça a une belle vitesse. Reliquante, c'est très lent. Ok. Ouf. J'ai eu vraiment chaud. Par contre, est-ce que j'ai de quoi réveiller Maryl? Je suis pas sûr. Bah, au pire, je comptais pas en servir dans le combat qui arrive. Ah, quoique charme, ça peut servir. Hein. Ah ouais, il peut servir parce qu'il a un bulk qui est pas ridicule. Et il a charme. Ouais, il aurait pu servir. Ouais. Tranchère, c'est pour qui? Pour Karatichaud? Non, mais non. On joue physique. En plus, on a Dance Slam. Garde les anciennes capacités. Oui, je suis sûr. J'ai eu chaud, hein, contre Nicolo. Hein. Ouais, je sais qu'ils auront tombe roche, hein. Mais ils vont faire moins mal que Reliquante. Ils vont faire moins mal que Reliquante. Et moins vibre à quoi super efficace sur Amagara. Je sais pas si ça va tuer en un coup. Mais je vais être plus rapide après tombe roche. Donc non, je m'inquiète pas trop, ça devrait aller. J'ai eu un peu peur, hein. Lui déjà combattu. Et on arrive au bout. Et on arrive au moment du vote. On arrive au moment du vote. Alors du coup je vais faire mes soins pendant que vous êtes en train de voter. La dernière fois je vous ai fait malus de combat. Ouais, c'est un combat difficile. Oh, c'est un combat difficile. Je préfère faire malus de combat plutôt que malus d'attaque, hein. Du coup, c'est parti. Est-ce que vous votez pour Regard Noir, pas le droit de switch pendant les 3 premiers tours du combat? Anti-soin, pas le droit de se soigner pendant les 4 premiers tours du combat? Provoque, pas le droit d'utiliser une attaque de statut pendant les 5 premiers tours du combat? Ou 4, pas de malus? Vous avez 2 minutes pour voter. Moi, je vais en profiter pour soigner mes pokés. Non, j'ai pas de B-marron pour réveiller Maryl, malheureusement. Ah, c'est dommage, ça. Super bonbon, ça vaut peut-être le coup d'utiliser. Alors, super potion, une fois... Super potion deux fois. Super potion trois fois. Qui n'est pas proche de la montée de niveau? Alors Marie, il est très proche. Samuel en est loin. Et je vais me servir. Ah mais non, mais je vais me servir de Grégoire, je vais me servir. Paf. 47 de vitesse. Ouais, Grégoire, 69 de vitesse. Il sera jamais dépassé par Amagara. Hein. Maintenant, go lead avec lui. On va totalement lead avec Grégoire. Par contre, le malus, il peut être embêtant. Hein, parce que si j'ai pas le droit de switch, il y a moyen que je sois en danger face au petit Arnidur. Mais j'ai envie d'envoyer. Hippopotas. Hein. Du coup, anti-soin, ça m'embête aussi. Hein, clairement. J'attends que ça fasse 2 minutes, mais ouais, visiblement c'est anti-soin qui va gagner. Sans trop de soucis. Je peux pas mieux soigner que ça. Et du coup, c'est le anti-soin qui l'emporte pendant 4 tours. Alors je retiens. 4 tours, pas de soins. 4. On a bien dit 4. Du coup, il faut que j'adapte mon plan à ça. C'est important. Qui peut rester face à Amagara tranquillement? Bah Grégoire, c'est celui qui est le mieux pour ça. Non, c'est Azélie qui peut rester le plus tranquillement face à Amagara. Après, sur tombe roche, en vrai, il a le temps de faire plein de tombe. Enfin, il a le temps de faire 4 fois tombe roche potentiellement. Je sais pas si à son niveau, il peut avoir lyophilisation.
C'est dangereux ça. Hein. Anti-soin, c'est pour les PV ou c'est aussi pour PP statut? Anti-soin, non, PP statut. Ouais, ça aurait été embargo. Ouais, anti-soin, c'est soin. Bah, disons que c'est comme l'attaque anti-soin. Est-ce que l'attaque anti-soin empêche d'utiliser une huile, par exemple? Si tu triches, tu fais quoi? Je vous fais voter pour un gros malus après. Si jamais je... Enfin, si je triche, si je respecte pas le truc. C'est jamais volontaire, hein, vous doutez bien. On laisse Grégoire en tête. Le problème, c'est que j'ai peur du petit ranidur après. Hein. Et Azélie étant endormie, c'est chiant. Je vais pas faire l'aller-tour au sein de Pokémon. Je peux pas commencer avec Samuel du tout, du coup. Lead Azélie, c'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution. 4 tours. Hein. J'ai pas passé le tour de sommet garanti. On commence avec Azélie. Je pense que c'est ce qui est le plus safe compte tenu du malus. Mais si je suis déjà à moins 1 en vitesse sur mon croix poral, je passe à moins 2, petit Rani. Enfin, du coup, petit Rani. Enfin, je reprends ton bras, je passe à moins 2. Non, je pense que c'est plus safe de faire ça. Je pense que c'est plus safe. Faut que je puisse faire charme le plus vite possible. C'est ça la difficulté. Déjà, je me suis pas trompé, il lit bien avec Amagara et pas avec Tyranidur, c'est bien ce qui me semblait. Si j'avais fait la connerie, j'étais... Oh, c'était pas un drame en vrai, parce que... Maril était bien quand même. 4 tours, hein. C'est le premier. On fait charme. Onde boréale, ok. Si la Ryan, mieux que ça... Critique. Ok. Bon, si ça, c'est un crit, ça va. Ça fait un tour. Et si on a peur, on peut envoyer Croaporal ou autre chose. Ça tankera juste un coup. Encore en boréal, d'accord. Donc on a pris 25 sur le coup critique. Hein. On perd en attaque, mais on s'en fout. On a le B au rang qui nous sauve pas mal. Alors, anti-soin, c'est un objet tenu. Hein, donc, évidemment, c'est pas vrai en compte. Hein. Bon, bien sûr. Et on se réveille. Ok, c'est parfait. Alors, oui, l'attaque anti-soin aurait désactivé ça, mais bon. C'est le troisième tour. On refait charme. On refait charme. Ouais, je pense qu'on refait charme. Ok, et là. Là, maintenant, c'est le moment où j'envoie Croaporal. Et après, je pourrais soigner. Ok, j'ai fait passer ça. Je suis beaucoup plus serein. Et maintenant, si on prend Tombrush, c'est pas très grave. Bon, sauf coup critique de Tombrush, hein. Là, vraiment, ce serait le drame. Hein. Perdre en attaque, on s'en fout. Ça peut pas geler, ça peut juste baisser l'attaque. C'est pas le cas. On peut faire vivre à quoi? Ah, ça tue en deux coups, mais... Ah oui, d'accord, après deux charmes, on est pas trop en danger. Hein. Et on est plus rapide, malgré la baisse en vitesse. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand même, hein. Croaporal est vraiment rapide. Un passant stylique, c'est plus compliqué. Hein. Alors, Damoclès sur Azélie. Enfin, c'est fort, hein. Mais on a retour. Non, on a retour, donc ce serait dommage d'utiliser une attaque à dégâts de recul en Nanox, c'est pas ouf. Hein. Et là, on envoie Hippolyte qui devrait gagner son duel face à Petit Arnudur. Je pense que c'est tranquille. Il te manque un tour d'anti-soin. Comment ça? Non, mais je me suis pas soigné. Enfin, il y a les Beaurans, mais c'est automatique quoi. Tombrush, ouais, ça va pas faire mal du tout. Techniquement, c'est pas lui qui a soigné, c'est la B. Oui, bah oui, enfin, genre. Enfin, là, clairement, vous êtes vraiment de. Enfin, je suis pas de mauvaise foi à vous dire, enfin, la B s'est activée, je pouvais pas savoir qu'il mettrait à range à ce moment-là. Non, là on va se soigner parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je peux me permettre, je pense que je le dépasse, hein, mais dans le doute. Enfin, c'est achevé sur morsure. Bah, il a prognate. C'est son talent qui booste morsure. On va faire tunnel et papier tissol. Ah, il est plus rapide, hein.
flinch. Mon dieu. Hyper potion. Oh le luxe. Ah bah non mais il m'a fait tomber. Bah oui je suis bête. Mais oui oui hein. Sur le coup je me suis dit bon bah du coup ça servait à rien. Mais après j'y pensais pas. C'est vrai c'est vrai. Bah go refaire petit sol. Mais non pourquoi je fais pas baillement moi. Oh ça fait si mal. Ok. Le crit qui met tellement bien là. Et tunnel. Ah pas de crit, pas de crit, pas de crit. Ouf. Un flinch. T'es encore plus rapide mais what. Oh là là. La super potion qui me met pas full life, ça c'est vraiment horrible. Hein. Mais il meurt sur le casque bruit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'y pensais plus, j'ai plus peur de mourir que... Enfin, je pensais plus à mon hippopotas qu'au Pokémon en face. Hein. 8000 Poké-Dollars, merci la pièce run, hein, clairement. Ça met bien, et... Évolution de Maryl. Maryl qui aura... Enfin, Azuril qui aura évolué. Évolue. Qui aura évolué, qui aura totalement évolué du coup, en un seul, bah pas en un seul épisode, en un seul, en une seule partie, en un seul live, on va dire, mais pas en une seule VOD, hein, parce que c'était plutôt aujourd'hui. Ouf. Eh, c'est rien de dur avec morsure, là, laisse tomber. Il était beaucoup trop vénère. Mais c'est vrai que Maryl aurait pu le gérer, c'est vrai. Mais il aurait fallu switch in, on aurait dû prendre un coup, il aurait fallu soigner avant, enfin bref. C'était galère. Et ça permet de faire combattre Hippolyte, le hippopotas. Et quelle fortune qu'on soit tombé sur Hippopotas, sur la route 9, c'est la route 8 ou 9, je sais plus. Pour le premier Pokémon rencontré, alors que c'est Mascaïman, le Pokémon le plus présent. Enfin, le plus. Oui, qu'on voit le plus. Le plus probable, le plus propice à être rencontré. Alors que voilà, le week-end dernier, Hippolyte Bernard, joueur français, a remporté l'un des plus gros tournois Pokémon européens de l'histoire. Quel bonheur. On récupère la CTO Brush qui peut grandement nous servir dans l'équipe, ça fait plaisir. Ça nous met bien, je sais pas sur qui on va la mettre ça. Sur bah type Brush sur Hippolyte justement. Ça peut être vachement bien. Ça peut être vachement bien. C'était pas évident ce combat. Si j'avais pris le Steelix que. Le chat m'a donné, mais arrêtez d'être gentil avec moi comme ça, hein. Arrêtez d'être gentil, vraiment, parce que sinon, sinon il n'y a plus de challenge, donc c'est trop dommage. J'espère que par la suite, vous allez être un peu plus sévère avec moi. Donc pour l'instant, j'ai pas eu à vous faire voter pour des votes qui m'arrangent. Bah, en même temps, il y a eu la punition hein, avec un artichaut. Et après, vous avez été vraiment, vraiment sympa. Du coup, je compte sur vous pour être un petit peu plus sévère dans les prochains, ou alors je ferai des votes un peu plus hardcore. Mais là, si je faisais vote malus d'attaque ou malus de combat, c'était ingagnable. Là, clairement, ça aurait été vraiment trop horrible. Quoi qu'il en soit, on en reste là pour cette VOD et aussi pour ce live. Mais si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, évidemment, à nous rejoindre. Le Viewerlock, c'est tous les mardis à 17h30 sur twitch.tv/arena_live. Si vous voulez participer, si vous voulez voter, venez sur les lives. Le lien est en description, évidemment. Allez checker cette vidéo qui va forcément vous plaire. Activez la cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos. Il y en a tous les jours à 17h sur la chaîne. Je vous fais des petits bisous. Voilà, il fallait que je bafouille à un moment. Je vous fais des petits bisous et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.